Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des Ombres de Rose, Resident Evil 8 Village. Évidemment je le dis incroyablement bien en anglais. Comme d'habitude, installez-vous confortablement, 4K 60 FPS. On se retrouve une bonne demi-heure ensemble, un petit truc à boire et à manger. On se retrouve dans quelques jours pour God of War Ragnarok, ça va être insane. En attendant, de retour dans le village, c'est parti. Allez, on est de retour dans ce hall majestueux, magistral, je dirais même, évidemment. Souvenez-vous, on avait déverrouillé un nouveau pouvoir, on avait déverrouillé plein de choses, dont cette porte d'entrée, et je voulais voir un petit peu où ça mène, et je n'ai pas été déçu. Maintenant, je sais où ça mène. Oh, bien! Bien. On avait une sorte de fusil à pompe aussi à récupérer. On avait énormément de choses. Et je me demande si il serait pas mieux d'aller le récupérer maintenant. On va aller voir ce qu'il faut pour récupérer le fusil à pompe. Sachant qu'on doit aussi récupérer la clé, il me semble. Je suis pas sûr qu'on l'a. Est-ce qu'on l'a, la clé? Attendez. Non, on l'a. On l'a, la clé à un œil. Il y avait une porte à un œil à gauche, mais moi... Oh. Sois prudente. Ok. Ok. J'essaie. Mais en même temps, je suis poursuivie par un malade mental et sa bande d'épouvantails. Ouais, je peux pas tous les affronter. Ah! Ah ok, donc c'est en train littéralement... Ah putain, c'est la clé à trois yeux... Trois œils, pardon. Elle est où? La porte à un œil, elle est de l'autre côté. Écoutez, on va aller checker l'entrée. Il y a beaucoup de choses à checker. Je suis désolé de ces allers-retours. On aura un fusil à pompe quand on aura la clé 3 œils. Par contre, je crois que la clé 2 œils n'existe pas. Alors, direction l'entrée. On avait checké en haut, il n'y avait rien. Souvenez-vous. Quoi que vous avez dit, une sorte de sniper ou un truc comme ça, je sais plus trop. Mais là, on est de retour au début. Ok, ok. Souvenez-vous de cette pièce, c'est là où il y avait le vendeur. Oh, Sugoi. Ok, c'est déverrouillé. Très bien. Un compensateur, j'aime bien. Let's go. Je sais pas trop ce que ça fait. Pistolet semi-automatique. Mais bon, par contre, j'ai plus de munitions, donc ça, c'est un petit peu dommage. On a une petite plante. Let's go numéro 2. Je ne me rappelle rien. Ni qui je suis, ni d'où je viens, je ne sais rien. Mes souvenirs sont en lambeaux, tout comme le visage que je dissimule derrière ce masque. La seule chose qui me reste, c'est ce sentiment, cet appétit vorace de voir les autres souffrir. Le désespoir dans leurs yeux, leurs cris. Qui sera ma prochaine proie? Je peux compter sur mon serviteur. Il a plusieurs têtes, mais il est dénué de cerveau. C'est mon meilleur chien de chasse, et il ne laissera aucun de ses lapins s'échapper. Donc, vous l'aurez compris, c'est une partie de la mémoire du vendeur hein, qui était ici. Sachant qu'il est encore vivant, il est encore dans le village, mais c'est une partie de sa mémoire. Voilà, hein, qui s'est retrouvé dans le Metamicet et qui a totalement oublié. Voilà, c'est très compliqué à expliquer tout ça. Mais voilà, il faut suivre, hein, s'il vous plaît, faites un effort. Ok, là, on n'a plus rien, là. On n'a plus rien, très bien. C'était juste pour récupérer un petit compensateur. Et c'est mieux que rien, je te le dis. Par contre, il faut que je trouve de la sauge pour récupérer mes pouvoirs. Ça serait pas mal. Il faut que j'aille... On va finir l'étage. On va finir de fouiller l'étage parce que, souvenez-vous, on ne l'avait pas fouillé complètement. Et il y avait beaucoup de choses à gauche, à droite. Donc on avait été à droite, je crois qu'on avait tout fait. On va aller tout droit. Voilà. Ok, alors attendez. Attendez, parce que là, ça devient très intéressant. Ça, on peut le faire. On peut aussi se faire un soin. Hop. Voilà. Très bien, ça c'est fait. Quoi? Ok. Un tableau d'araignée. Un tableau représente un papillon. Impossible de le détacher de ce cadre. Les prédateurs sont réunis face à leur proie. Les prédateurs sont réunis face à leur proie. Qu'est-ce qui tue une araignée? Ça, je peux pas l'enlever? Ok. Oh merde. Oh merde. Oh. Alors, renard, donc là, c'est mouton. Si je ne m'abuse. Très bien. Les papillons, c'est les araignées qui tuent les papillons. Si je ne m'abuse. Et là... Il reste donc les grenouilles.
Attends, les grenouilles sont des proies ou des chasseurs? Enfin, ça dépend. Il manque un tableau de toute façon. Attendez, je suis pas fou. C'est les loups qui tuent les moutons. On en a eu des histoires. Les araignées. Les araignées. Statue, ok. Il manque un tableau, là. De toute façon, il manque un tableau, non? Il manque un tableau. Tableau représente un papillon. Impossible de le détacher, pour le coup. Attends, j'essaye un truc. Ok, on va laisser ça comme ça et on verra. De toute façon, là, on est à la recherche d'un autre tableau. Je sais pas trop ce qui se cache là-dedans. Peut-être la clé trois œils. On va. Putain, c'est horrible. On dit œil ou yeux? Je suis teubé d'un coup, frère. Ok. Il y a beaucoup trop de choses à explorer. Il y a beaucoup trop de choses à explorer. Ok, ça en a rien. Ah, peut-être des munitions, ça serait pas mal. Très bien. Bien. Je prends. I take it. Ok. Toujours pas de sauge. Et là, on a quoi déjà? J'étais déjà venu ici. C'est ça? Ok. J'ai l'air d'avoir... Putain, attendez, c'est un merdier, pas possible. Ouais, j'étais déjà venu ici, très bien. Je comprends plus rien. Bon, on n'a plus rien à faire ici. On a fait le devant. On a donc fouillé toutes les pièces qu'on avait mises à jour. C'est très très bien. On peut, je pense, partir... Oh, le merdier, j'en ai marre. Attendez. C'est pas possible, je suis où? Il fait tellement noir qu'on voit... On voit rien, en fait. Bon, c'est le but, hein, évidemment. Vous l'aurez compris. Je me demande si on peut casser les pots en tirant dedans. J'ai pas envie de m'y risquer, si je puis me permettre. Ok. Direction la suite de nos aventures, les amis. On se casse et c'est par ici. On va ouvrir la porte à l'œil. Et on va voir ce qui nous attend dans ce... Dans cette nouvelle partie, évidemment, du château. Donc, comme il a dit, on peut pas tous les affronter, vaut mieux fuir. Je pense qu'on va tout simplement beaucoup fuir dans cette partie-là. Parce que 15 balles, je vous le dis, j'en tue 2 maximum. Et encore si je me foire pas. Ça, par contre, ça porte un œil au fond du sous-sol. Porte un œil au fond du sous-sol. Il faudra que j'aille au fond du sous-sol. Mais où est le sous-sol, quoi? Je m'en souviens déjà plus. Ok. Ah! Oh, tu dois être vraiment rusé pour être arrivé jusque-là. Malheureusement pour toi, il ne sera pas aussi facile de mettre la main sur le prochain masque. J'ai envie d'aller au sous-sol. Il y a une porte à un œil au fond du sous-sol. Je pense qu'il y a vraiment du lourd. On va au sous-sol. Mais bordel, je me souviens plus. Ok, on va jouer avec la carte, d'accord? On va jouer avec la carte. Donc, c'était la suite de notre aventure. Je suis désolé, je vous fais peut-être un peu perdre de temps. Le sous-sol est par là-bas, normalement. Attends, qu'est-ce qu'il me dit? Tu prends trop de risques. Mais what? J'ai rien fait! C'est pas comme si j'avais le choix. Tu rigoles? C'est trop tard! Je peux plus reculer! Ok. Je te promets de faire attention. Tu veux pas me faire pop un lance-roquette, un char d'assaut, frérot? Je sais pas, une armée du GIGN? Un truc cool, quoi! Le sous-sol était là-haut. Vous voyez, je m'en souviens. Allez. Porte. Oh, salaud. Oh, salaud. Là, ça monte. Porte. Oh, le salaud. Et là, ça monte aussi. Oh, je me suis fait brain. Dommage, on aurait essayé.
Tant pis. Tant pis. Ah, ça fait beaucoup d'aller-retour pour pas grand-chose. C'est pas grave. C'était pas le plus loin. Quelle déception. What is the deception? Je me demande ce qu'il y avait. Bah, on verra plus tard, sûrement. C'est verrouillé de l'autre côté. Ah, peut-être que c'est d'ici qu'on va réussir à rejoindre les sous-sols. Il y a moyen. Il y a de fortes chances. Hein. Let's go pour la suite de notre aventure. On a fait 9 minutes à explorer les restes. Maintenant, on n'a plus rien. On est à jour. Totalement à jour même. Quoi? C'est quoi ce bruit? Frère? Ça, c'était un clébard de catégorie 8. Hein. Ok. Ah! On a beaucoup, hein. Alors, bienvenue dans la galerie du désespoir. Ici, vous pourrez admirer les quelques personnes ayant réussi à obtenir au moins un masque. Jetez votre dévolu sur ces quelques élus, dont les derniers moments ont été immortalisés dans cette galerie. À travers cette collection, contemplez la lumière de la vie sous un angle différent. C'est vrai que c'est beau. Oh putain. Oh, il y a du boulot, là. Putain de psychopathe. Bon, après, c'était pas super sympa non plus, hein. Ah, c'est verrouillé. La déception fut de mise. Yes. Allez. Ça, on prend instant. Ah putain, ça redonne que 2. Quelle déception. Ok. Moi, j'ai encore utilisé la balle de trop. Ok. Oh merde. J'appuie sur tout. Oh merde. Oh non. Ah. Eh ben, c'était pas le bon truc à faire. Nouvelle énigme, c'est parti. Je venais de me noyer quand des flèches mirent à siffler. Mais c'est par un nœud coulant que mon calvaire avait commencé. Suivi d'une lame aiguisée, transperçant mon cœur brisé. Je venais de me noyer quand des flèches mirent à siffler. Mais c'est par un nœud coulant que mon calvaire avait commencé. Donc, nœud, lame, noyé, flèche. Nœud coulant. Ok, j'ai... Donc, nœud... Lame. Noyé. Flèche. Allez, merci, au revoir. Et merci, la street. Let's go! Pas très difficile. Il fallait bien voir le mais et le par là que tout a commencé. Donc, effectivement, ça nous ramène dans les sous-sols. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a potentiellement là-haut. Déjà, ça, je prends. Très bien. C'est verrouillé de l'autre côté. Hop, fin du rêve, retour à la réalité. Retournons dans le sous-sol. Hein ? Là, par contre, dans le sous-sol, je vais pas pouvoir me battre à l'infini. Hein. Je vous le dis, va falloir travailler l'esquive. Hein. Alors, bonsoir. Ok. Longue échelle, hein. Belle échelle, hein. Très bien, bonsoir. De retour ici. Ah, des munes. Yes. On va essayer de pas utiliser de notre pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment pour le garder pour le boss. Du masque. Qu'est-ce que c'est ce truc? Le masque d'argent est dans la petite pièce au fond, j'y suis presque. Elle a eu le temps d'écrire ça quand même. Hein. Ok, il y a un truc ici. Pardon.
Ça va qu'il est lent sa mère, hein. Très bien, ça. Alors... Non. Ok, c'est en haut. Très bien. Ah ! Je l'avais pas vu. Ça. C'est pas grave. Prends-moi un peu de vie. Je t'autorise. Ok. Mes balles lui font que dalle. Voilà, voilà. Ta mère! Ah non. Oh. Lui, il est énervé. Oh. Ok. Nickel. Ah, ça, c'est un véritable plaisir, là. Allez! Quelle angoisse, j'ai déjà envie de me foutre en l'air. Mes balles ne font que dalle. Très bien. Alors là... À moins que... Ah putain, je l'ai vu. Oh, j'ai eu peur. Oh, je l'ai vu. Ok, je suppose qu'il va passer par là. Non. J'ai plus de balles, j'ai plus rien. Je suis foutu. Hein. Ok. Très bien. Tu as mis tes sales pattes sur quelque chose d'interdit. Je crois que ce petit lapin chaparadeur. Tu le sens. Ah ! Oh, c'est dur. Là, je suis pas bien. Là, je suis pas bien. La morale, tu vas la faire à d'autres. Là, je suis pas bien. La morale, tu vas la faire à d'autres. Bouge ta mère. Là, je suis pas bien. Allez. La morale, tu vas la faire à d'autres. Masque numéro 2 récupéré. J'ai plus de sauge. J'ai plus de pouvoir. Mais j'ai le masque numéro 2. Et j'ai 12 balles par contre. Allez, hein, rien à péter. Hop, je me fais des soins. Et je vous emmerde. On peut toujours pas passer ici, je suppose. Évidemment. Bon. Masque 2, je suis content.
Mais j'ai pas déverrouillé ce qu'il y a derrière, c'est pas fini. Hein. Voilà, fallait s'en douter. C'est évident. Le masque ? Très bon film. Bah ouais, bah bibiche. Je l'aime, mais c'était chaud. Cet énorme monstre s'est pointé. Sans blague, je peux pas me battre contre un truc pareil. Je dis pas non à un peu d'aide. Ouais, fais pas autre chose, merde! Ok. Vous l'aurez compris, je ne peux me battre. Oh, j'ai des remèdes à gogo là, hein. On va save, hein. Oh, j'ai des remèdes à gogo là, hein. Encore un boss. Let's go. Oh putain. Oh, le serpent! Le serpent, il tue quoi déjà? Bah, il tue les grenouilles! Mais l'araignée, elle tue quoi? Non, l'araignée, c'est la proie de quoi? Je sais plus. Je sais plus comment je m'appelle. Ok. On se casse. Et là, il y en a une. Tu es un petit lapin tenace, tu sais, mais je ne compte pas te laisser agir à ta guise. Ok. Et merci la zone. Oh. Oh ouais. Waouh, waouh, waouh. On va prendre tarif. Merde, merde, merde. Je vais me faire démolir. Ouille, ouille, ouille. Qu'est-ce que j'ai mal aux couilles. Allez. Ça va toi? Ok. C'est chiant, hein. Allez, une petite save, une petite pause, parce que c'est bien les pauses. Alors attendez, parce que là, j'ai eu trop d'infos d'un coup. Qu'est-ce qui est en train de se passer là, finalement? J'ai le fameux tableau. Le tableau, c'était à l'étage, donc on va interagir avec le masque d'argent. Masque 2 sur 3 posé, ça allume un peu de lumière, ça fait du bien. Il me reste un masque et on est très très bien. C'était chaud en bas, hein. C'était très très chaud, hein. Allez, go. On va mettre le tableau. Le serpent tue la grenouille. Quoi qu'un serpent, les gars, ça bouffe tout. Les gars, je sais pas si vous êtes au courant, les gars, les filles, les gars même. Ils ont retrouvé une femme dans un boa, frérot. Tu vois ou pas le délire? L'araignée. Alors, attendez. Attendez, attendez, attendez. Parce que ça, c'est la merda. Serpent. Ok. Et on va mettre araignée. Très bien. Et donc là, on va mettre grenouille. Parfait. Parfait, parfait. Ils ont retrouvé une femme à l'intérieur d'un boa, les gars. Pour me faire chier ou quoi? Bon, alors malheureusement, la femme n'a pas survécu, mais une femme dans un boa. Ah! Très bien. L'emblème des trois yeux mène au succès. Bientôt, le masque d'or te sera accordé. J'aime le succès. Utilisez la clé à trois yeux. I love the success. Je me souviens plus où il y a des portes à trois yeux. Mais il y a, les gars, dans le sous-sol, il y a un coffre à un œil. Mais putain, c'est quoi ce merdier? Ça, on save. Moi, je save tout le temps, rien à péter. Hein. Ok. Ça, c'est fait. Merci, la zone. Allez. Ça devrait m'aider. Ok, pompe, pistolet. On est bien. Les trois yeux, c'est où, les gars? Les trois yeux, c'est où? Attendez. On va essayer de se localiser. Ok. Fermé. Je vois qu'une porte aux trois yeux. Oh, j'ai pas tout fouillé au sous-sol. Oh, il reste un truc au sous-sol. Oh là là.
En fait, c'est le sous-sol où on était qui reste un truc, hein. C'est terrible, hein. Ok. C'est dans la cour. Donc, je suppose que dans la cour, nous aurons le tout dernier... le tout dernier masque. On va pouvoir s'arrêter là parce qu'on va le faire, je pense, d'une traite lors de notre prochain épisode. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vais faire en sorte que le prochain épisode arrive dès demain. Pas de panique. Bisous tout le monde. Bye bye.